Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 22 de notre incroyable aventure sur The Last of Us. Et malheureusement pendant bien trop de jours, vous n'avez pas eu d'épisode. J'en suis extrêmement désolé. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu une otite. Et tous ceux qui connaissent les otites savent à chaque jour, chacun sa peine, évidemment, savent à quel point ça fait mal. Et je peux vous dire que j'ai bien douillé. Il était impossible pour moi de mettre un casque ou autre dans l'éventualité d'enregistrer un épisode. Donc j'en suis fort désolé, évidemment. Et lui, on va essayer de le faire en cachette derrière le rayonnage. Parfait ça. Parfait ça. Voire exceptionnel. Ok. Oh putain. Fais gaffe. C'est encore un mort par ici. Déployez-vous. Comme ça, ça fait vite. Oh là là, je suis un monstre. Je suis un putain de monstre. Bon, il est pas du tout venu là où je pensais qu'il allait venir, le man. Derrière. Ok. Oh merde. Voilà. Aucun problème, on commence très bien cet épisode. Installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire et à manger. On se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Vous connaissez tous et toutes la musique, évidemment. Ceci n'est pas un problème. Et on y va. À l'aventure compagnon, on va essayer de terminer le jeu. Nous sommes proches de la fin de mémoire. Mais des fois, ma mémoire me fait malheureusement défaut. Oh. Je pensais que c'était ouvrable. Très bien, mais pas du tout. Ok, il reste 2 manes. Voilà. Oh, oh, oh. Eh ben, dis donc, monsieur. Madame, monsieur, je ne sais pas. Je ne sais plus d'ailleurs avec le temps qui passe. Ok. On va se la rejouer Robin des Bois. Je suis tellement fier de ce que je vous ai fourni les précédents épisodes. Ce serait dommage de s'en passer, n'est-ce pas? Comment ça? Matez ça. Ok. Ça dépêche les autorités compétentes. Cherche encore. Ok. Pas de soucis. Donc, 1, 2. À aucun moment, c'était un problème. Y'a rien de mon côté. Oh merde. Pareil. J'ai préféré le faire vite. Ok, ok, toi t'es un petit malin, toi. T'es un petit coquelicot, toi. Très bien. On va aller le chercher, hein. Pareil. On a eu chaud. Parfait. Pour l'instant, écoutez, c'est... Comment dire? La perfection à la Joël. Comme on dit dans le milieu. J'espère que vous êtes pas peu fiers. Ok. Il y avait pas un dernier man ici? Genre on l'entendait d'aussi loin le gars là? Attendez, what? Il y a personne d'autre entre. J'hésite à prendre la pipe. Ah, oh, j'hésite. C'est le seul qui a nécessité un peu de bruit, si je peux me permettre. Y en a-t-il eu trop? Je ne sais point, à vous de juger. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est encore une histoire rondement menée. On peut pas monter là-haut, là, les rejoindre. Dommage. Et là-bas?
Bah, j'aimerais bien voir s'il y avait pas un petit bonus, un petit truc sympatoche, tu vois. Attends, par contre, on pouvait aller là, genre, il y avait quoi? Oh, peut-être un petit truc à fouiller, là, non? Ça me paraît pas mal, ça. Ah, on fouille tout, hein. On peut vous dire que maintenant, on va tout connaître de The Last of Us 1 et 2. Quel jeu, les amis, quel jeu, waouh. Il faut le dire. Quel jeu exceptionnel. Ok. Bon, super. Rien de plus, rien de moins. Il n'en fallait pas moins. Alors, let's go, on continue. On a réussi sans aucun problème cette scène. Je rappelle qu'on doit retrouver Ellie, qui est malheureusement tombée dans les vapes. Oh, putain. Si je le fais... Bon, j'ai l'impression qu'elle a fait une petite wanted quand même sur la fin. Mais ça reste du exceptionnel, les amis. Ok. Vous n'avez rien sur Watt? Dommage. Un, deux. Un, deux, toujours. Très bien. Ça, c'est les problèmes, ça. J'ai pas de bouteille pour faire diversion. Le gars a l'air loin, quand même. Oh, là, j'ai joué avec le fire. Sa mère avec le feu. Je suis parano, c'est tout. On voit que dalle. Je sais que Joël, tu commences à cailler, mais là, frérot, on voit que dalle. Voilà, c'est dit, Joël. Bon, il y a le haut de ma tête qui dépasse, mais on va dire qu'il a rien vu, hein. Des cheveux. Rien d'anormal. Ok. Pas de soucis jusqu'ici. Oui. Oh, pas si loin que ça, hein. On peut dire que le man a été sauvé, hein. Sauvé par la poutre. Ok. Et là, on n'a plus rien. Eh bien, écoutez, on peut continuer. Encore une affaire rondement menée. Bien joué, mon Jojo. T'es le plus fort. Faut passer par ici. Ok. Pas du tout. Faut passer par ici. Ok. C'est quoi ça? Comment ça se fait que les affaires d'Eli sont là? Ah. C'est embêtant. Une petite fiche à lire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un peu de lecture. Belle prise, je préfère ça. Ok. Il va falloir faire mieux que ça. D'accord. Il n'y a rien à tourner. J'ai pas compris, ça parlait de quoi? Sûrement du nombre de cadavres. Oh, bordel. C'est pas Jojo, ça, hein. Ça veut dire que quoi? Donc, ils étaient cannibales, hein, vous l'aurez compris. Un être humain, simple curiosité. Il faut que je la trouve. Il se le mange en combien de temps, l'être humain, là? Cornet meat and supply co. La seule viande que vous voudrez manger. Ok. Il faut combien de temps pour un être humain de 60, 10, 80 kilos, là, à déguster, là? Bon, ne mettez pas la réponse en commentaire. Putain. Ça peut ne pas... Allez. Vous porter... Ça peut vous porter préjudice, pardon. Thank you.
Ok. On va essayer de récupérer ce cut. À savoir que la fumée monte, mais on a évité l'asphyxie. Tant mieux. Il doit y avoir quelques petites fenêtres ouvertes, j'ai envie de vous dire. On l'entend respirer, l'autre chacal. Ouais, c'est évident. Je savais que t'avais du cœur. C'est pas grave d'abandonner. Y a pas de honte à ça. On va persister. Oh, Ellie. Faut-il d'être aussi grossière? Tu peux me supplier. Tu penses me connaître? Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis capable. C'est moi, regarde. C'est moi. Il a essayé de... J'avais oublié qu'elle en avait bavé autant, mine de rien, alors qu'elle a 14 ans quand même. Printemps ! Et nous clôturons donc l'année complète. Ellie ! Tu m'as entendu ? Non. Quoi ? Regarde, c'est l'hôpital. On est enfin arrivé. Allez, on y va. Ok. On est parti. C'est bien beau. Tu sens cette brise? C'est mieux ça que le brouillard. Eh ben, tu vois, par un jour comme ça, je me serais assis sous mon Porsche. Et j'aurais joué de la guitare. Comme tout bon américain. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Elle peut pas parler, hein. On sait pas pourquoi, mais elle boude. Elle boude comme boudère. Oh, des pillows! Ça fait longtemps! Oh. Incroyable. Qu'est-ce donc? Ah! Pardonne-nous. Ok. Eh ben, vous êtes pardonné. On continue. Je suppose qu'il y a quelqu'un qui a dû se barrer sans la petite famille. Merde. De quoi? Alors attendez. Oh ouais, je suis toujours. C'est toujours aussi parfait tout ce que je suis en train de procurer là. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe, ma petite Harry? J'ai rêvé que je volais une fois. Ah ouais? Ouais. Ok. Ah oui. Vas-y, raconte-moi. Voilà, j'étais dans un avion rempli de gens. Et. Tout le monde criait et hurlait parce que l'avion allait s'écraser. Alors, je suis allée dans le cockpit, j'ai ouvert la porte, mais il n'y avait pas de pilote. J'ai essayé de prendre les commandes, mais... évidemment, je ne sais pas piloter un avion. Et juste avant qu'on s'écrase, je me suis réveillée. Je ne suis jamais montée dans un avion. C'est bizarre, non? Ah, tu sais, les rêves, c'est bizarre. Ok. Ok. Eh ben, on est parti, on continue. Alors, on va descendre cette petite brothel. D'autoroutes. Ah, school bus. T'as rêvé que t'allais à l'école, Ellie? Oh, quoique, ils avaient des écoles dans leurs abris. À la limite, ça peut s'y apparenter. Regarde ça. Une autre ville, et une autre zone de quarantaine abandonnée. Ok.
Ok, elle me répond pas, la petite Ellie. Elle a pas trop envie de parler, hein. Ellie ? Allez, viens, bibiche. Ok, il y a un tank. Alors, attendez. On devrait couper par là, non ? Ah, j'ai que 10 pills. Mince. Peut-être qu'il y en a plus dans les modes de difficulté au-dessus, je sais pas. Ok, viens, ma petite Ellie. Là, tout est fermé. Mais en fait, tout est fermé partout, c'est très bizarre. Là, oh, 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 oh. On pourrait utiliser cette échelle. Allez, viens, bibiche. On y Allez, va. Allez, fais-moi rêver. Ellie. Ellie. Quoi? L'échelle, j'attends. Ouais. Je me souviens tellement pas de tout ça, les potes. Ok. Allez, reviens, bibiche. Ok, pendant que moi je me casse. Du paper. Très bien. Que dalle. Et là, que dalle aussi. Pas vrai. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ellie. Ellie. Ah. Oh, Ellie, tu fais chier, hein. Merde. Il faut que tu vois ça. C'est quoi? Ah! Je crois me souvenir la fameuse selle de la girafe, non? Mais qu'est-ce que... Oh oui. J'entends... Alors là, j'hallucine. Pour moi, elle était tellement plus tôt dans le jeu. Mais en fait, pas du tout. Elle est à la fin. Allez, grouille-toi! C'est pas vrai, je rêve. Elle est stylée! C'est Sophie la girafe! Tu vois ça? Allez, viens, bibiche. Tout va bien. Viens, allez. Allez-toi. Dépêche-toi. Vas-y. Salut. C'est trop cool. Oh, où est-ce qu'elle va? Allez, viens, on bouge. Hé, hey, ralentis, Ellie. Ok. Allez. Je suppose qu'elle veut prendre de la hauteur. J'arrive, bibiche. Y'a rien. Le petit moment attendrissant du printemps. L'émigration des girafes, très connue. Oh merde. Oh. Ça fait. Regarde, oh, c'est beau, hein. De tes espérances? Bon, je suis un peu mitigée, mais faut bien reconnaître que c'est joli. Et là, on peut s'en aller ou rester un petit peu, évidemment, et regarder selon notre convenance et nos plaisirs. Je pense qu'on va juste partir.
Voilà. Allez, viens, Mimiche. On a assez regardé ces belles girafes. C'est des très belles girafes. Ok, de toute façon, il fallait qu'on aille par là. On n'est pas obligé de faire ça. Tu le sais, pas vrai? C'est quoi l'autre option? Retourner chez Tommy et laisser tomber toutes ces conneries. Après tout ce qu'on a vécu. Après tout ce que j'ai fait. Je vais pas gâcher ça. En fait, Ellie est persuadée de sauver le monde au dépit de la sienne. Je sais que tu veux bien sa vie. Mais je dois aller jusqu'au bout. Quand tout ça sera terminé, on ira où tu veux. Ok? Bon, je ne partirai pas sans toi. Alors finissons-en avec ça. Joël qui commence à être fort attendrissant. Oh. God. Ok. Oh, il était posé. Allez! En voilà une autre. Ouais, mon petit pote, le bouc neuf, évidemment. Précipitation. Ok, je me demande si les titres des Sauvage Starlight ont un rapport avec ce qu'on va vivre. Un peu comme une prémonition, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Ah. De l'eau. Rien d'intéressant. Putain, j'ai toujours pas de briques, hein. Joël, entre l'hiver et le printemps, t'aurais pu choper une briquette. Hop, ça on prend. Ouais, mais là, je suis tellement au max que... plus rien à faire. Oh, le jeu a tellement bien été refait. Bordel, regardez la version PS3 que j'avais fait à l'époque, il y a 9 ans. Oh, c'est choquant. Cet endroit me rappelle des choses. Pourquoi? C'était juste après que tout parte en vrille. J'ai atterri dans un centre de triage comme celui-ci. Et bon sang, partout où je regardais, je voyais des familles déchirées. Comme si tout ce foutu monde avait sombré dans le chaos en l'espace de quelques secondes. C'était après avoir perdu Sarah? Ouais, c'est ça. J'imagine pas ce que ça fait de perdre un être aussi cher. De perdre tout ce à quoi on tient. Je suis désolée, Joël. C'est pas grave, Ellie. Ah, c'est surtout pas de ta faute. Allez, camion de la Fedra. Oh, encore un outil, mais c'était pour faire quoi? Il permettait quoi, cet outil? What the fuck, les amis, c'est David Lafarge? Le bon outil. Attends, mais il permettait quoi, les gars? Putain, j'ai que 17%, c'est terrible. J'ai que 17% des trophées, on est à la fin du jeu, quoi. Ah, il y a une époque, t'arrivais à la fin du jeu, t'avais au moins 50% des trophées, mon ref, tu vois. Pas amélioré grand-chose, mais bon, écoutez, on fait comme on peut. Ok. Oh, 4 cartouches de fusil à pompe, c'est bon, ça me plaît. Oh, des ciseaux, c'est bon, ça me plaît. Y a pas un petit... un petit stand, là, au calme. Tiens, Fedra, toujours, ça ne bouge pas. Là, qu'est-ce qu'on a, là? Du scotch, let's go. Très bien. Mais attends, je comprends pas. Je peux m'upgrade encore plus la hache? Incroyable. Mais on va faire ça. Moi, vous savez que je suis fan de 1 sur 1. Parce que 1 sur 1... Vous vous souvenez très bien. Pour ceux qui étaient là il y a 9 ans. Ok. Et dire qu'à la sortie de cette pépite... Bon, c'était beaucoup moins beau graphiquement, hein, vous l'aurez compris. Mais à la sortie de cette pépite... Certains, ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, n'avaient que 8 ans. Vous vous rendez compte? Et je ne sais pas compter 9 ans, vous vous rendez compte? C'est insane! C'est insane. Enfin, 8-9 ans, bon, vous avez compris, le jeu il est sorti il y a un mois, donc selon la période dans laquelle t'es né, on va pas faire toute une stratégie, les gars. Oh! 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 Oh!
Le plan de ce qui nous attend. Très bien. Ok. Et l'établi. Eh ben écoutez, allez, on va pouvoir parti. Se pimper un max. Let's go. Alors, on va modifier quoi? C'est quoi que j'utilise le plus en vrai? Peut-être la puissance du... Putain, jamais utilisé le lance-flamme. Faudrait vraiment que j'utilise ce truc-là. Permet de recharger votre arme plus vite. Les balles tirées infligent... Les balles tirées infligent plus de dégâts. Augmente la portée de l'arme. Ça a l'air incroyable, ça. Pour seulement 40. Un canon long de lance-flamme, mon ref. Ça va chicoter. Ok. Vu qu'on a, on apporte, enfin, on commence à être sur la fin, je vais mettre le lance-flamme à la place de l'arc. On a assez utilisé l'arc, je pense. Ok, pas mal. Vitesse de rechargement, en vrai, c'est que 20. Je veux dire, on va pas faire les rats non plus. Ok, pas mal. Peut-être pistolet. Pistolet, ça peut être pas mal. Lui, il est déjà au max. On va voir lui, qu'est-ce qu'on a de beau. Je crois qu'il a été pas, il a été pimpé à 0%, ouais, c'est bien ça. Allez, 15, ça c'est presque donné, ça c'est cadeau. Hein. On va augmenter la vitesse de reload. Très bien. La poignée qui est catastrophique. Ça, 75, merde. Bon, par contre, c'est les vraies balles de Magnum qui vont sortir, hein, je vous le dis. Très bien. Ah oui. 30, capacité de chargeur, ça commence à devenir énervé. Ah oui, 2 au lieu d'un, très bien. Oh là 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 là, comment c'est énervé. Cadence de tir. Ah, oh, il a de la gueule, hein. Ok. Il a de la gueule, je vous le dis. Oh, j'ai tout amélioré quasi, je suis beaucoup trop chaud. Les balles tirées infligent plus de dégâts. Ajoute une lunette. Capacité de chargeur. Bon, on va pas faire les rats, vas-y, on augmente tout. Hein. Encore 75 de grossissement, non mais c'est trop. Je sais même pas quoi augmenter tellement... allez, le pompe, bat les couilles. On va augmenter ça. Un pompe, je veux un truc énervé, frérot. Portée, capacité, cadence de tir. La portée. Hein. Oh, la portée, ça va être fumé. Ah non, hein, ça va être un snipes. Hop, juste un coup de nettoyage. Portée augmentée, mon pote. Et personne va rien dire ici, je te le dis, ok. Vitesse de rechargement. Cadence de tir. Ça m'a l'air pas mal. Allez, go. Il va modifier la crosse, je suppose. Bah, c'est plutôt pas mal. On va s'arrêter là, on n'a plus rien. Allez, voilà, on attaque la dernière phase de notre jeu. Et ça me fait très bizarre de le dire. Alors, il y a des jeux, c'est... Faut le dire, hein. Il y a des jeux, t'as pas envie que ça se termine. Il hein. Y a des jeux, t'as pas envie que ça se termine. Et The Last of Us, j'aimerais tellement que ça dure. J'aimerais tellement un The Last of Us 3, même si malheureusement... quoique, si, avec les flashbacks... voir Tommy, hein, à la limite. Hein. Joël, j'ai quelque chose pour toi. Ouais, t'as quoi, Bibiche? Tu veux me donner tiens. Quoi? Maria me l'a montré et je l'ai volé. J'espère que tu m'en veux pas. Super, du PQ. Ah, ok. On a beau essayer de toutes ses forces, on peut pas échapper à son passé. Merci. Ah ouais, il en voulait pas. Fedra toujours. On a tout fouillé là-haut. Hein. Allez, on peut y aller. Bon, c'était pas le meilleur move que tu pouvais faire, Ellie. Finalement, j'ai plus trop envie de traîner avec toi. On va passer ce bus et on va s'arrêter là. Ouais, j'ai des objectifs comme ça, moi, dans la vie. Ok. Très bien. Vu qu'il y a des girafes, il doit pas y avoir des infectés ici. Est-ce que les infectés mangent des girafes? D'après vous? Ok. Ok. Allez, on est dans le tunnel. On va s'arrêter là. N'oubliez pas
le j'aime et le commentaire. J'espère que cette fois, vidéo ça va vous être a différent. Plu. Je le sens. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont être là, les lucioles. J'en suis sûr. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Évidemment, portez-vous bien. On passera par-dessus ce magnifique camion et on ira au bout du tunnel. Allez, bye bye tout le monde.